Mesdames et messieurs, bon dimanche, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement. Nous nous retrouvons en tout cas ce dimanche dans une salle de classe de l'École du Changement avec India Omari, qui n'est en tout cas plus à présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tout court, on peut le présenter comme étant un communicateur du Front commun pour le Congo, la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Bienvenue en tout cas sur ce plateau de l'École du Changement. India Omari. Merci beaucoup, J.R. Mokolo, ça fait longtemps. Oui, ça fait en tout cas très très longtemps. Nous avons appris que vous avez eu des soucis de santé. Dieu merci. Maintenant, ça va et c'est la première fois que nous vous avons en tout cas après autant de temps d'absence. Bon, India Omari, on vous a présenté comme étant communicateur du Front commun pour le Congo. Est-ce que le FCC existe toujours après son déboulonnage? Bon, c'est une pratiquement plateforme politique. Elle était hier une plateforme de la gouvernance. Elle existe. Elle est très requinquée actuellement. Voilà. Donc, le Front commun pour le Congo existe, très requinqué, et son autorité morale est toujours retranchée à Kingagati. Très serein. Très serein. Il n'est pas seulement en train de préparer de monter des stratégies pour rebondir. Non, lui ne peut pas monter les stratégies différemment de ce qui se passe ailleurs. Lui, il est pratiquement l'autorité morale. Il impulse la vision de cette organisation, au fait, cette plateforme et cette vision. Est pratiquement relayé par l'ensemble de partis politiques qui ont souscrit à cette plateforme. Et puis les partis qui sont dans cet ensemble peaufinent les stratégies, soit électorales, soit les stratégies pour la résistance actuelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez que nous sommes dans un rôle de pouvoir résister contre les violations massives de notre constitution, de nos lois du pays. Il y a à peine quelques jours, on vient encore de violer pratiquement la loi sur portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale. Et nous sommes en train de relayer pratiquement cette ordonnance qui a été publié avec beaucoup d'imperfections par rapport à ce qui est dit par la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Banque centrale. En tout cas, India Omari, merci beaucoup. Bon, nous entrons en plein dans l'actualité. L'émission s'appelle l'École du Changement. Et bon, nous avions connu la toute première alternance au sommet de l'État, saluée par tout le monde. Et plus de 2 ans après, si on vous demandait, vous, de établir un bilan du changement opéré au sommet de l'État, vous direz quoi? Bon, le bilan est catastrophique et même chaotique. Dès que le processus a été amorcé et l'alternance avait eu lieu, il y a eu beaucoup d'espoir qui était né dans les chefs de la population de la République démocratique du Congo. Mais au fur et à mesure que nous avons constaté des actes en termes de gestion, nous avons été surpris de voir que non, mais ce n'était plus une république, on allait vers la monarchie. Et c'est ce qui est constaté aujourd'hui par d'abord au niveau de l'opinion publique interne et puis au niveau de l'opinion publique internationale. Donc, nous sommes en train de décrier cette nouvelle gestion dictatoriale qui constitue un mode de gestion dans notre pays. Et nous pensons que les efforts au niveau du camp de la résistance sont en train de se faire pour que les autorités qui gouvernent aujourd'hui arrivent à rentrer au bon sens. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rappeler les actes. Vous allez vous imaginer, au début, il y avait
un gouvernement intérimaire qui était en train de gérer les affaires courantes. Mais on a fait un projet, une vision, programme 100 jours, pour un programme, vision, programme 100 jours, ne s'inscrit dans aucune constitution dans notre pays. Elle n'est pas dans la constitution de notre pays. On a violé la constitution avec le programme qui a été mis, programme du président de la République. Or, dans aucun livre de la politologie, on parle du programme du président de la République. Nous ne sommes pas un pays président. Oui, bon, nous savons que vous avez en tout cas beaucoup à redire par rapport à la gestion du pays sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a remplacé votre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Mais est-ce que vous ne reconnaissez même pas des avancées par rapport à votre gouvernance de 18 ans? Non, il n'y a aucune avancée. Sincèrement, je ne vois pas. Mais même lorsque, par exemple, l'IGF qui travaillait pratiquement en clandestinité ou quoi là, et qui n'était même pas connu, en train de faire un travail de titan, de dénoncer, de dévoiler des cas de malversation et de corruption, ça aussi vous ne reconnaissez pas? Non, l'IGF fait les rapports en cas de malversation. Mais l'IGF a aussi un travail de recadrer. Pratiquement d'aider à encadrer les recettes de l'État. Oui. C'est, il a deux rôles, il fait les rapports quand il est envoyé par l'autorité à qui il est subordonné. Mais en plus de ça, et d'ailleurs dans la pratique qui est inscrite dans la déontologie de l'IGF, il doit avoir aussi un rapport contradictoire, ce qui ne se fait pas. Il ne fait que son travail seul. Et c'est comme ça que nous avons demandé à ce que, pourquoi le gouvernement, le régime actuel a peur au fait du parquet financier qui est la Cour des comptes. Pourquoi on n'ouvre pas la Cour des comptes pour éviter les imperfections donc, qui sont faites par l'IGF? Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de voir que l'IGF était une milice au service d'un individu. Et ces rapports ne sont pas des rapports partiels, ne sont pas des rapports impartiaux. Nous sommes en train de voir que non, l'IGF, effectivement. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'IGF, en tout cas, travaille pour un camp contre un autre camp? Nous sommes en train de voir par les indicateurs, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Quand l'IGF se dit que non, ben, il est intouchable, nous sommes en train de voir que lui-même, il n'est pas propre. Il n'est pas propre. Mais comme il s'est dit intouchable, on ne sait pas là où. C'est comme ça que nous-mêmes, j'ai appris que non, il y a certaines personnes qui ont jugé bon d'aller traduire l'IGF au parquet financier de Paris. Parce qu'on a trouvé que non, ici, on a introduit une plainte. Ça fait déjà plus d'un mois que la plainte n'est pas on n'a même pas demandé, on demande les parquets ici, donc les procureurs ne demandent, même, en général, ne demandent même pas à la confirmation de la plainte. On laisse la plainte pendant plus d'un mois. C'est pas normal. Sous-entend qu'il est incontournable, il est intouchable. Bon, au-delà même du travail que fait l'IGF, ouais, qui caractérise pratiquement un peu le nouveau régime, mais le fait par exemple qu'en matière des droits de l'homme, il y a quand même des manifestations qui ne se soldent pas par le bain de sang dans des églises catholiques comme c'était à votre époque, c'est pas quand même à saluer. Non, il y a des manifestations. Il y a même une évolution en matière de respect des droits de l'homme. Non, c'est faux. On avait déjà, on le fait. Je vous rappelle de ce qui s'est passé en Bougimaï où on a tué les militaires. Ici même, vous avez vu ce qui s'est passé avec la loi Sakata Minaku. On a brûlé les Yahi. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les musulmans. Il y a des choses comme ça qui se passent par-ci, par-là. Et tous les jours presque. Vous êtes en train de voir aujourd'hui, avec les mesures barrières, vous voyez les comportements de la police. Donc, comment on peut filmer des gens comme ça
C'est pas normal. On peut arrêter, mais filmer les gens. C'est la même police. Non, mais c'est ça, je suis en train de... Le matière... régime par non, le régime Kabila, et à Kinshasa, par exemple, c'est le même général nommé par Kabila qui continue. Non, c'est la même police. Tu vas dire que non, c'est la même police qui a commencé avec l'ANC, avec Mobutu, avec... C'est la même. C'est la même. Mais il faut changer la philosophie. Si vous venez pour changer, parce que ton émission, c'est les changements. Tout à fait. Mais il faut changer. Il faut changer à travers les comportements. Ce que nous voulons voir, c'est qu'il y ait une démarcation entre ce qui s'est passé dans les temps. Mais en matière des droits de l'homme aujourd'hui, si vous avez suivi les rapports, le pays a encore redescendu trop bas. Trop bas. Il y a beaucoup de rapports. On arrête les journalistes. Il y a on voit, il faut aller en prison aujourd'hui. Il y a des prisonniers politiques qui sont là. Sans procès, il faut aller en prison. Vous allez regarder en matière des droits de l'homme, il y a des gens qui n'ont aucun document, mais ils sont en prison. Mais sur le plan judiciaire, si vous ne sentez pas quand même que la justice aujourd'hui, il n'y a rien qui est beaucoup plus indépendante, beaucoup plus libre. Non, il y a par contre, la justice elle est devenue une justice bolivienne. Donc il n'y a rien qui a changé. Pratiquement, il n'y a rien. Aujourd'hui, les droits de la défense est privé. Vous venez de voir les spectacles sur l'histoire qui s'est produite il n'y a pas longtemps. Nous, avec Montesquieu, il y a ce qu'on appelle, Montesquieu a observé trois types de gouvernements. Et en observant trois types de gouvernements, il y a despotisme, monarchie et la République. Il est arrivé à produire pratiquement les principes de la séparation des pouvoirs. Donc, ce que nous appelons à un certain moment, les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Donc, aujourd'hui, tu as vu pour une seule personne cinq réquisitoires. Et il fallait étudier ces réquisitoires au niveau, au fait. Tu as appris aux États-Unis. Vous parlez des mandats d'abolition. Oui, tu as suivi ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Oui. Mais les procureurs généraux avaient émis un mandat contre Trump. Mais comme le Sénat a refusé, mais ce n'était pas passé. Ça se passe dans tout le monde. Le Sénat peut étudier au fait un réquisitoire. S'il trouve que ce réquisitoire est entaché avec beaucoup d'irrégularités sur le plan procédure, le Sénat peut se désengager par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'était la fraude, la mauvaise procédure. On a attendu les jours de la fermeture, au moment où les réquisitoires étaient signés le 24, on attend les jours pour aller déposer. Et on dépose quand? Les mêmes jours de la fermeture. Et à quelle heure? Pour signifier aux candidats à 19h. Si je comprends très bien, oui. India Omari, hier comme aujourd'hui, l'instrumentalisation de la justice est pour des intérêts politiques continus. Mais le président de la République lui-même a insinué sur ça. Il a parlé que non, certains de ses collaborateurs se déploient dans cette procédure d'instrumentaliser la justice. Il l'a dénoncé. Mais il a demandé au magistrat de pouvoir en tout cas les saisir au cas où quelqu'un... Cher ami, c'est quand même une avancée d'évolution. Quand le président, changement, non, quand le président de la République, qui est magistrat suprême, arrive à dire que non, parmi ses collaborateurs, il y a des gens qui s'emploient dans cette activité. C'est-à-dire, il est magistrat suprême, il connaît ces gens. Pourquoi ne pas livrer ces gens-là à la disposition de la justice pour que la justice s'efface? Parce que quand on dénonce, on doit dénoncer les individus qui sont à la base de ce genre de manœuvre. Or, il a indiqué parmi la catégorie de la population, ses collaborateurs, c'est-à-dire son environnement immédiat. Et pourquoi ne pas livrer? Vous pensez que non, dans ces discours-là, les autres magistrats vont oser? Non, ils ne vont pas oser. Parce qu'on devait les livrer. On devait dire, bon, il y a 10 de mes collaborateurs, je vous les mets à la disposition. Comme ça, vous pouvez les entendre pour les amener en prison. Et d'ailleurs, cher ami, depuis qu'on a commencé
cette histoire ici. On entend. Eteni Longondo, à quand son procès? John Tumba, à quand son procès? Et il y a un autre là qu'on avait arrêté pour la milice à Kingabwa, Pierre Mutanga. Il est parti, il est sorti. Il y a un autre Tis Mumba que vous avez qui a tabassé, c'est pas les policiers ou quoi, tout ça. On a fait un spectacle. Il est où? Il se promène aujourd'hui. C'est ça la justice à double vitesse. Quand on veut devenir modèle, pour punir, il faut punir tous les enfants. Mais la vérité, c'est que... N'attendez pas que non, punir uniquement les gens du FCC, parce qu'on veut, on en veut à eux. India Omar, la vérité quand même, c'est que les changements ne tombent pas du ciel. C'est tout un processus. Oui, c'est un processus. Aujourd'hui, on a commencé avec certains, soyez-en sûrs que demain, d'autres seront touchés aussi. Non, un bon papa commence par punir ses propres enfants, pour les donner une orientation, pour que les autres sentent que non, papa, ce papa-là aime, qui aime bien sa tibia. Mais son propre directeur de cabinet se retrouve à Macara. Non, avec... il n'y a rien. C'est une histoire de... Ce qui se raconte, c'est une histoire de leadership qui se passe. D'ailleurs, le président lui-même, dans ses propres propos, a dit que non, Kamere est un monsieur honnête. C'est un magistrat suprême. Il est intelligent, honnête, et il fera un grand travail pour ce pays dans l'avenir le plus proche. La justice ne peut pas tenir compte de l'appréciation. Non, c'est la parole. Attention, la parole. Il n'est pas individu, il est chef de l'État. Il est magistrat suprême. C'est lui qui. Parce que les jugements et les arrêts sont exécutés au nom du chef de l'État. Quand un président dit déjà que non, il est honnête, c'est-à-dire qu'Amélie n'a pas volé. Il doit être. Pourquoi le président de la République prend une ordonnance pour libérer les prisonniers? C'était peut-être là. Non, attendez, j'ai dit ceci. Pourquoi le président de la République, même si tu étais condamné pour 20 ans, son ordonnance peut te mettre hors la prison? Pourquoi? Vous allez dire que il a fait ça, c'est dangereux. Qui peut faire à la place du président? C'est lui-même. Mais quand il dit déjà que non, Kamere est honnête, c'est lui, Kamere doit être libéré. Et le magistrat doit se sentir déjà que non, ben, je n'ai rien fait comme travail. Moi, je pensais dire que non, ben, Kamere n'est pas honnête, mais celui qui est au-dessus de nous dit que non, Kamere est honnête. Donc, ce procès-là, c'est un procès où il a, en fait, le jugement a été attribué à Kamere par défaut. Okay. Parce que la parole d'un chef, attention, il va de l'honneur. Nous sommes ici en matière de sciences politiques. Il va de l'honneur. D'ailleurs, même on voit en politique, la parole d'un chef fait objet d'une loi. Mais quand on dit des choses comme ça, il faut s'assumer. Là, vous nous ramenez au mobutisme. Pardon? Où la parole d'un chef était... Non, mais c'est pas dire que non. Non, ce que vous devez comprendre, il est magistrat suprême. C'est comme aujourd'hui, il a pris une décision sans ordonnance. Mais pour le COVID, la COVID-19, il était à Goma. Il n'y avait aujourd'hui aucune ordonnance est décrétée sur base de ces mesures. Mais nous sommes en train d'exécuter. On arrête même les gens sur base des paroles. Il n'a fait que la parole, les paroles. Et ces paroles aujourd'hui sont exécutées par la police. Ok, c'est noté. Alors, vous pouvez être arrêté aujourd'hui pour avoir allé et pour avoir se retrouvé en dehors des heures qui ont été établies par le président, c'est la parole. Ok, c'est noté. Idia Omari, communicateur du Front commun pour le Congo, avec lui, nous sommes à l'école du changement. Idia Omari, nous avons noté dans ce pays, depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, en tout cas, des tiraillements, des stratégies qui sont montées, pas peut-être pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais, mais on est là pratiquement pour résoudre des problèmes de positionnement personnel. Je ne sais pas, il y a la loi Tiani qui vient en tout cas d'être endossée par Nsingi Poululu et qui est maintenant déjà déposée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, cette initiative-là, comment est-ce que vous l'avez accueillie? Bon, j'étais en train de suivre religieusement et puis je salue mon jeune frère, le député Nsingi Poululu, à qui on a eu à broder sur cette fameuse loi. Je suis sidéré sur le plan pratique. Un étranger n'a pas droit
de venir prendre langue sur, sur le plan politique dans qui est étranger. Oui. En fait, j'ai dit un étranger. Je suis en train d'aller sur le plan global. Tout un étranger n'est pas, on n'est pas autorisé à parler politique dans notre pays. Même les ambassadeurs qui sont ici ne sont pas autorisés. Ils doivent avoir des réserves. Tout étranger, chinois, américain, asiatique, et les européens n'ont pas droit au chapitre. Ils doivent laisser les Congolais en matière de débat politique. Parce que l'article 10, c'est clair. La nationalité congolaise est une et exclusive. Même si aujourd'hui, avec la loi, la fameuse initiative qui devient aujourd'hui une proposition de Pouloulou, a escamoté exclusive. Je ne sais pas pour quelle intention, ou c'est modifier la constitution, et croyant que non, tout Congolais est dupe, on ne sait pas. Mais je me pose la question. Les documents migratoires de notre frère qui était un ancien Congolais. Lequel? Oui, mais c'est lui qui est en train de vagabonder dans les chaînes de télévision pour... Noël Tian. J'ai dit... J'ai dit ceci. Ces documents migratoires affichent clairement qu'il est américain. Mais le régime en place aujourd'hui lui donne la possibilité de venir débattre sur le plan politique en violation de l'article 10 et 11 de la Constitution. Or, l'article 11 dit que tout Congolais a ce qu'on appelle les droits politiques. Mais quand vous n'êtes pas Congolais, vous n'aurez pas les droits politiques. Mais on les laisse jusqu'à tel point que, au fur et à mesure de cette agitation-là, l'agitation qui se transforme en tension, des tensions aujourd'hui qui va vers au fait des germes conflictogènes qui peuvent même embraser toute la République. Je me dis, mais il y a un problème, il doit y avoir un problème. Ailleurs, quand tu n'es pas de cette nationalité, bon, on va mettre la main sur toi. Au-delà des l'initiateur, oui, de cette proposition de loi, qui est déjà maintenant là endossé par Pouloulou, il y a quand même beaucoup de Congolais qui soutiennent. Non, pas beaucoup de Congolais. L'ensemble des Congolais ne soutiennent pas cette initiative. Cette initiative, un grand nombre de Congolais. C'est une loi Union Sacrée. Une loi IDPS Union Sacrée. Là, il faut qu'on se le dise. Mais l'IDPS est dit mettre ni de loi ni de. Non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes en train de. Écoutez, en termes d'indicateurs politiques, nous sommes en train de voir. Nous voyons comment nos amis sont en train de raisonner sur base de ces... Et qui sont derrière aujourd'hui Singhi qui endosse la responsabilité? Il aura du mal à expliquer cette loi. Mais il a endossé pourquoi? Le député Singhi lui-même, il est pratiquement la première ceinture du président de l'Assemblée nationale. Et lorsque ce personnage a été reçu à l'Assemblée nationale, il y a eu des journalistes qui sont montés au créneau pour dire comment il n'était pas député, comment il peut prendre, il peut aller avec une loi et être reçu en pompe par le président de l'Assemblée nationale à un certain moment. Les gens n'ont pas compris le sens et on a compris plus tard que non, il y avait un jeu qui se faisait à ce niveau. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que non, ben écoutez. Non, si je comprends bien, Noël Tchèle ne se serait même pas retrouvé avec Pouloulou. Non, ce n'est pas ça. Normalement, c'est une loi, c'est une initiative qui ne provient même pas de monsieur que vous venez de citer, l'Américain. Donc, l'initiative provient d'un laboratoire. Et ces gens-là qui sont derrière, vous allez voir avec ce qui va se passer, nous allons encore arriver à la rétropédalage, comme d'habitude. Quand il y aura une pression, on va encore retirer, comme on le fait. Vous avez vu à un certain moment cette histoire des mesures de la Covid-19,
quand la population s'est soulevée, on a vite retiré. La même chose, nous sommes en train d'aller aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette initiative fait en tout cas très mal? Il y a même le parti de Moïse Katumbi Ensemble pour la République qui menace de quitter l'Union Sacrée à cause de ça. Il y a le cardinal, par exemple, Fridolin Mbongo, qui a dit que c'est une loi dangereuse qui risque en tout cas de mettre les Congolais les uns contre les autres. Est-ce que vraiment cette loi, cette initiative est aussi dangereuse qu'on les qualifie? Pourquoi déjà s'agit comme ça? Cher frère, je crois que non, j'ai eu au fait le privilège d'être invité par la chaîne de mon aîné et mon grand frère qui était avec moi à Sand City, Jean-Pierre Bemba. Il est là encore vivant. Azarias Rouberois est encore vivant. Ce sont, je ne vais pas parler des autres, les Olivier Kamita, tous les Camers et les autres. La question sur la nationalité nous a pris suffisamment le temps à Sand City pour arriver à mettre d'accord tout le monde. Même cet article-là, où il y a eu à un certain moment, tu vois l'aventure qu'on est en train de faire aujourd'hui, sur on veut donner la nationalité à plusieurs personnes, vous allez, avec la loi Tchani, donc avec les groupes, les nationalités, tout ça. Mais c'est la même aventure, on avait voulu à un certain moment récupérer l'exclusivité de la nationalité. Et c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est l'article 1 de la fameuse loi de l'IDPS. Donc, vous allez voir qu'on a écrit la même chose, mais à l'unanimité. Les experts qui étaient partis là, nous sommes jugés bons de laisser l'article 10 comme tel pour mettre tout le monde d'accord. Et c'est comme ça que dans l'article 10, on dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Et nous avons, quand vous descendez, il y a une nationalité d'origine et une nationalité d'acquisition où on vient individuellement, on acquiert la nationalité individuellement. Aujourd'hui, bon, écoutez, nous sommes en train de vivre quelque chose qui peut imploser tout un pays. Cette discussion-là peut imploser tout. Quand vous dites la nationalité congolaise est une, tu vois, on s'arrête là-bas et on laisse exclusive. C'est-à-dire, on introduit la notion de la double nationalité. En violation, c'est-à-dire, si on ose voter cette loi va aller en contradiction avec la Constitution. Il faut modifier la Constitution. C'est une brèche. Et si vous allez vous parcourir la loi IDPS, vous allez retrouver que non, l'article 4 n'est pas inadéquation avec la Constitution. L'article 7, mêmement, on veut attribuer pratiquement une nationalité en masse pour les nationalités étrangères. Et nous sommes en train d'attirer l'attention sur les uns et les autres. Sur base de quoi? Peut-être c'est parce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une des institutions où on a des gens qui ont plusieurs nationalités. Alors, on veut faciliter ces gens-là d'accéder rapidement à la nationalité. Non. La meilleure manière, c'est quoi? Ou soit on change, on modifie la Constitution, tout peut être réglé. Mais si on vient avec des lois, des fraudes, des lois qui vont poser des problèmes plus tard, qui vont être en inadéquation avec la Constitution, ça sera grave. Bon, India Omari, vous êtes vent debout contre la loi Tchani, qui est maintenant la loi Nsingipululu, mais nous apprenons la loi IDPS, monsieur. Voilà, vous-même aussi, vous avez une initiative, toujours à propos du profil, des conditions de légitimité à la présidence de la République. Bon, écoutez. Vous parlez du cursus académique du candidat. Oui, depuis hier, j'ai lancé, un communiqué sur. Dans le cadre de la réforme, j'ai lancé un communiqué et nous sommes en train de travailler. J'ai associé beaucoup d'experts. Déjà aujourd'hui, on était en train de faire un grand travail dans ce sens. C'est une loi qui va comporter tout au moins 15 articles. Nous allons procéder par cette loi sur le cursus académique des candidats présidentiables.
Parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème dans notre société. Pourquoi seulement au niveau du président de la République? Pardon? Pourquoi pas les ministres? Pourquoi pas... Non, ils sont régis par les critères de la loi, les critères de la loi sur les, la loi électorale. Ici, nous allons aller en profondeur pour que qu'on sache effectivement, on a affaire, quand les gens vont là-bas, on a affaire à qui? Il faut que les Congolais sachent. C'est comme ça que nous sommes en train de dire, même dans les articles là, dès que tu déclares, oui, nous avons besoin aussi que ton université confirme, nous envoie une lettre de confirmation à la CENI. Envoie une lettre de confirmation à la CENI avec le diplôme original, homologué. Et cette lettre sera publiée à la RTNC et au journal officiel. Pour que les gens, tout Congolais, sachent que non, notre président a fait un cursus normal pour... en fait, notre candidat a fait un cursus normal pour assumer les postes de responsabilité. Parce que le problème, c'est que nous avons observé notre pays aujourd'hui. Nous pensons que non, c'est les élites qui dirigent. Ce n'est pas la rue. Parce que tous ces problèmes ici, c'est pas à un certain moment... Vous êtes convaincu que si le Congo ne décolle pas, si le Congo, en tout cas, continue sa descente aux enfers, c'est parce qu'au sommet de l'État, il n'y a pas eu des gens qui ont des masters, qui ont eu... Non, je ne suis pas... Je suis au niveau de la communication. Je suis au niveau de l'information. Nous voulons quand même savoir qui va aller à la destinée de ces pays, de ces grands pays. Parce que on ne peut que réussir un pays avec de l'intelligence. On ne peut que créer les richesses dans ces pays qu'avec avec de l'intelligence. On peut tout aujourd'hui, le monde, on entame une guerre d'intelligence aujourd'hui. C'est de l'intelligence au fur et à mesure qui peut apporter aussi de la sagesse. Notre problème, notre souci, c'est que nous devons savoir, pour faire un choix utile, les cursus académiques qui est un des critériums, qui doit être un des critériums pour passer comme président de la République. Mais quelqu'un peut aussi bien respecter les critériums que vous avancez, c'est-à-dire il présente publiquement, il communique sur son cursus, l'université confirme, mais dans la pratique, on a affaire à un incompétent. Non, mais écoutez, et là vous allez faire quoi maintenant? Ce n'est pas une pratique qui commence en République démocratique. C'est beaucoup de pays passent par cette conditionnalité. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde qui passent par cette conditionnalité. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez en Belgique, au fait, aux États-Unis, c'est la même chose. Vous allez dans d'autres cieux, vous retrouvez la même chose. Est-ce que vous ne vous accuse de vouloir viser telle ou telle personne? Non, ma loi sera impersonnelle. Elle doit être endossée par un... Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, je vois déjà dans ma liste, il y a déjà plus de cinquantaine députés qui sollicitent d'endosser. Non, je te dis que non, cette loi-là, ça fait du bouquin. Nous sommes en train, C'est pour contrecarrer l'action de Tchani et Pouloulou? Non, non, on ne contrecarre personne. Nous, notre problème, c'est que nous voulons donner une visibilité aux candidats qui vont aller concourir aux élections présidentielles. C'est-à-dire donner... le peuple va essayer de comparer et faire un choix utile par rapport aux élections de 2023. Oui, Omari, en tout cas, les bonnes choses ne durent pas. 60 secondes, votre mot de conclusion, après tout ce qu'on vient de dire. Je ne sais pas, je viendrai encore ici bientôt. Oui, pour aujourd'hui, voilà. Oui, bientôt avec certains députés, certains juristes, certains politologues qui sont en train de faire ensemble, cette loi au niveau du travail que nous sommes en train de faire. Nous pensons qu'après cette étape ici où nous nous concentrons, nous allons passer à la conférence de presse ou en conférence débat sur la loi sur les cursus académiques
des candidats présidentiables. Et nous pensons que nous allons faire un travail de titan pour accompagner les réformes institutionnelles dans notre pays. Voilà. Oui, l'équipe en tout cas de l'école du changement espère que votre initiative va aider en tout cas à changer la gouvernance dans ces pays, à les booster et à les faire développer. Merci India Omari, communicateur du Front commun pour le Congo, d'avoir en tout cas pris de votre temps pour cet entretien autour de questions de changement, de gouvernance, de mentalité et j'en passe dans notre pays. Merci à l'équipe technique et merci à tous ceux qui nous suivent. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission. Bye. Et restez en tout cas branchés sur le programme de votre chaîne Canal Congo Télévision. Merci, c'est moi qui vous remercie.